Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV. Alors Nelia réagit à l'annonce de Mila qui hier annonçait être enceinte. Elle explique aussi qu'elle est choquée de voir que beaucoup d'influenceuses désormais prennent le mari des autres et font des enfants. Je vous laisse avec sa story. Coucou les filles. Alors j'ai supprimé le post d'hier, parce que ma soeur elle avait raison. Ça sert à rien de parler, de polémiquer sur ça, c'est du passé. Par contre je vais venir sur un sujet parce que ça me fait vraiment peur. Pour nos enfants d'ailleurs, parce qu'on vit dans une société où la tromperie c'est normal. En fait, tromper c'est normal, prendre des hommes mariés c'est normal, faire des enfants avec c'est normal. Je pense que ça devient la mode avec beaucoup d'influenceuses d'ailleurs. Mais ce qui me fait de la peine, c'est qu'en fait nos enfants vont vivre dans cette société-là. C'est-à-dire que là, il y a tout qui sera normal. La tromperie, être avec un homme marié. Faire des enfants avec l'homme qu'on a pris de la femme avec qui il était marié, tout est normal. Ça vous pose pas problème. Désolée, les filles, ça a coupé. Donc, je disais qu'en fait, c'est dommage de trouver ça banal de nos jours. De toute manière, on va pas mettre la faute que sur la femme. Il y a l'homme en question qui est en faute aussi. Et je trouve que maintenant, il n'y a plus aucun homme qui tient un foyer. Ça veut dire que même avec des enfants ou pas enfants, l'homme, s'il a envie de partir, il part. Et à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus trop de couples qui tiennent. Parce qu'il n'y a plus ce respect-là, en fait, entre l'homme et la femme. Il y a tout qui s'est perdu. On n'est plus à l'époque de nos parents où ils essayaient de tout faire pour rester soudés. Ben là, maintenant, c'est à la moindre dispute, limite, l'homme ou la femme, elle part. Sans rien essayer de reconstruire. Et ça, je trouve ça dommage. Parce qu'après, c'est les enfants qui subissent, malheureusement. Mais bon.